Salut les astros! Aujourd'hui, je vais renouer avec un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'observation des étoiles variables. Alors, je profite que vous soyez encore un petit peu attentif dans cette vidéo et que vous n'ayez pas encore zappé pour passer un tout petit message. Vous allez voir, ça va être rapide. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour tous vos messages super gentils, super bienveillants de cette fin d'année. Vraiment, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je voulais aussi remercier deux abonnés qui vont se reconnaître, qui, il y a de ça un petit, peut-être un mois, ouais, un petit peu, un mois, m'ont fait récemment le don de quelques petites piécettes sonnantes et trébuchantes. Alors, merci les gars, merci à vous. Et puis, je profite. Allez, c'est le dernier petit message. Une fois de plus, pour remercier Paul, qui me permet d'admirer la voûte étoilée grâce à Paulette. Et je pense d'ailleurs pouvoir dire sans hésiter que tous les habitués de la chaîne ont eux aussi apprécié ton geste. Alors voilà, j'ai passé mon petit message. Alors vous pouvez zapper si vous voulez, mais restez, hein. Voilà. Alors, pour commencer, je suis membre non cotisant. Et oui, parce qu'on peut être membre sans cotiser, il suffit juste de s'inscrire sur leur site. Je suis membre non cotisant de l'AAVSO, l'Association américaine pour l'observation des étoiles variables. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. En fait, j'ai un code d'observateur. Et avec ce code, je peux donc contribuer à alimenter les bases de données avec mes observations des étoiles variables. Voilà. Alors, obtenir ce code est totalement gratuit, n'hésitez pas. Je vous mets d'ailleurs en lien sous la vidéo et puis ici le rappel de la vidéo pour une toute petite explication. Voilà. Le code, ce OBSCODE, est généré à partir de vos initiales suivies de deux lettres. Voilà. Voilà, c'est parfait. Nous sommes prêts à contribuer au développement scientifique sur la compréhension et la modélisation des étoiles variables. Alors, ça fait quoi de se sentir investi? Alors, je vais d'ailleurs m'inspirer d'une des publications vraiment très bien faites par l'AVSO pour créer cette année une nouvelle playlist sur la chaîne. Elle s'appellera 12 étoiles variables faciles à observer dans l'année. Voilà, le principe de cette playlist, c'est que je vais vous proposer une fois par mois une étoile variable à suivre et à observer. Voilà. Je vous expliquerai bien sûr comment la repérer grâce notamment à des cartes qui seront téléchargeables sous chaque vidéo de la playlist, comment estimer la magnitude de ces étoiles, et si possible, je tenterai de vous expliquer le pourquoi et le comment cette étoile variable est variable. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est un programme qui est avant tout destiné aux débutants. Donc, pour ces 12 variables de l'année, il vous faudra simplement soit vos yeux, parfois une paire de jumelles, ou un télescope, petit ou gros, hein, peu importe, mais pas plus. Je tiens à ce que chacun, chacune d'entre vous puisse y arriver et puis surtout y prendre plaisir, hein, prendre plaisir à l'observation des étoiles variables. Alors, place à la première star de l'année. J'ai nommé Pléone. Alors, Pléone, c'est une étoile variable que vous pourrez voir en janvier. Alors, elle se trouve à 440 années-lumière de la Terre, hein, en termes de distance. Ce n'est pas la porte à côté, mais c'est quand même pas si loin que ça. C'est une naine bleu-blanche de la séquence principale et donc de type spectral B. Donc sa magnitude moyenne apparente est de plus 5,05. Donc elle est visible théoriquement à l'œil nu sous un bon ciel. Pléone, c'est une étoile variable dite irrégulière. Irrégulière. Et de type
Gamma Cassiopée. Car souvent, on donne pour nom de catégorie d'une étoile variable la première étoile variable observée et identifiée comme telle. Alors ici, ce sera le type Gamma Cassiopée, l'étoile gamma de la constellation de Cassiopée, qui va nous servir de référence en termes de variable. Alors, la luminosité apparente de Pléion va varier entre plus 4,77 lorsqu'elle vraiment elle brille au maximum et plus 5,50 lorsqu'elle est à son minimum. Sa désignation dans le catalogue des étoiles variables internationales, eh bien là je vais vous renvoyer d'ailleurs à la vidéo du code Argelander également, je vous mets le petit lien là-haut et en bas aussi, ce sera BU Tauri ou BU Tau, TAU. Voilà. Alors, où se trouve Pléion ? Pléion appartient à un amas d'étoiles célèbres et très très lumineux dans la constellation du Taureau. Eh bien oui, vous l'avez deviné, c'est l'amas des Pléiades. Alors on peut bien sûr confortablement admirer cet amas à l'œil nu dans le ciel d'hiver entre décembre et février, grosso modo, c'est les meilleures périodes. Je vous renvoie à la petite vidéo d'Alexandra de la boutique Enastros qui nous a fait un petit topo sur ce magnifique amas d'étoiles. Aujourd'hui, on va aller essayer de chercher M45, super facile à observer dans la constellation du Taureau. La plupart des gens, elle est visible à l'œil nu, mais la plupart des gens la confondent avec la petite ours. Alors que ce n'est pas le cas, là, c'est vraiment un amas d'étoiles regroupées. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je m'aide du livre de Monsieur Gadal. Je le vous montre. Voilà, au besoin, vous pouvez utiliser bien sûr les atlas. Vous avez également là, ici les images du logiciel Stellarium. Et donc, pour retrouver M45, moi je pars, si vous ne savez pas où retrouver la constellation du Taureau, vous partez de Orion. Orion, c'est, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, cette constellation avec trois étoiles alignées. Et si vous remarquez, quand vous continuez vers la droite de ces trois étoiles, vous tombez sur une étoile très lumineuse, un peu orangée, qui est donc Aldébaran. Alors certains, avec la référence de Saint Seiya, sauront que c'est le chevalier d'or de la maison du Taureau, sinon c'est juste l'œil du Taureau, l'étoile principale de cette constellation. Et regardez, vous continuez dans la suite de votre course et vous tombez sur un petit groupe d'étoiles, voilà, qui est assez facile, même avec une paire de jumelles, un petit instrument, et c'est ça, donc les Pléiades. En fait, c'est un amas d'étoiles mélangé avec une nébulosité, mais on ne voit pas la nébuleuse, on voit seulement ce petit groupe des sept étoiles dans la mythologie, les plus belles filles de Zeus. Tellement belle cette, vous voyez, il est tellement beau cet amas. On retrouve. Alors, à l'œil nu, on l'aperçoit comme une petite tache floue dans le ciel, mais si on se concentre vraiment un tout petit peu, on va distinguer très très facilement entre 5 voire 6 étoiles très rapprochées qui ressemblent à peu près à une sorte de petite casserole. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à la comparer à une mini constellation de la Grande Ourse. Une mini ours. Alors vous trouverez Pléion dans le manche de la fameuse petite casserole, juste à côté de la brillante étoile Atlas. Une paire de jumelles ou un instrument de courte focale, comme par exemple la Newton 150-750, ou une petite lunette astronomique de type 80-640, vont faciliter bien entendu l'observation de Pléion dans le champ étoilé des Pléiades. Alors si votre instrument possède une focale un peu trop longue, hein, typiquement 1 mètre et plus, comme par exemple Paulette, qui est une 127 sur 1200, n'hésitez pas à utiliser un oculaire de longue focale, comme un 32 mm ou mieux encore un 40 mm, pour avoir un grossissement le plus petit possible et donc un champ de vision le plus large possible.
Et si vous pouvez utiliser un oculaire grand champ, ce sera encore mieux. La toute dernière solution à utiliser, c'est le réducteur de focale 0,8, 0,75 ou 0,5 fois. Donc les réducteurs de focale sont des petits dispositifs à visser sur les oculaires. Mais attention, vous risquez avec ce dispositif, malgré tout, d'altérer votre perception des magnitudes. Surtout d'ailleurs si le réducteur est de mauvaise facture. Alors, comment estimer la luminosité de Pléione ? C'est simple. Tout autour de Pléione, vous trouverez de nombreuses étoiles de comparaison. Elles ont leurs magnitudes qui sont imprimées sur les cartes que vont utiliser les variabilistes et que je mets là sous la vidéo en lien. Les magnitudes qui sont données sont au dixième la plus proche, sans le point décimal. Attention, ça c'est très important, sans le point décimal, pour que ce point ne soit pas confondu par une étoile sur la carte. Voilà, donc typiquement à quoi ressemble une carte de l'AAVSO. Ici c'est la carte X28374ADI, c'est écrit juste ici. Voilà, vous avez les informations concernant les variabilités de magnitude ici, le type spectral, vous avez toutes les magnitudes. Voilà, cette carte est téléchargeable sous la vidéo. Ici, une deuxième carte qui est une carte de type point. Donc ici, on a plus le point est gros, plus la magnitude est faible et donc plus la luminosité est forte. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire compliqué? Une fois Pléione identifié, il vous suffit maintenant de trouver parmi les étoiles jalons de la carte une étoile qui vous semble juste un peu plus brillante et une autre qui est juste un petit peu plus faible. Voilà. Donc on va encadrer l'étoile variable entre deux étoiles, une plus forte, une plus faible, en luminosité. Alors supposons par exemple que vous décidiez que Pléione est aux deux tiers de luminosité située entre une étoile notée 55 pour la luminosité la plus faible et une étoile notée 43 pour la luminosité la plus brillante et que Pléione se trouve aux trois quarts, un mi-chemin entre les deux. Comment noter cette observation? Je vous propose de noter cette observation comme ceci. 55, 2, BUTO, 1, 43, donc 2 et 1, donc 2 tiers, 2 plus 1, 3. Vous pouvez également, si vous souhaitez utiliser des pourcentages, c'est peut-être plus facile aussi, vous pouvez la situer comme ceci. 55, 70, BUTO, 30 et 43. Lorsque vous ferez le calcul un tout petit peu plus tard, le lendemain par exemple, eh bien, il vous suffira de faire le simple calcul 55 moins 43 multiplié par 2 divisé par 2 plus 1. Ça fait 12 multiplié par 2 tiers, ça fait 8. Ou alors si vous avez décidé d'utiliser le pourcentage, vous faites 55 moins 43 multiplié par 70 divisé par 100. Tout simplement, ça fera 12 divisé par 70 divisé par 100, ça nous fera 8,4 qu'on va arrondir à 8. La magnitude estimée de Pléione sera donc de 55 moins 8. Donc on va prendre la luminosité de l'étoile la plus faible, on va retrancher la magnitude de l'écart et ça va nous donner 47, ce qui nous donne une magnitude de plus 4,7 pour Pléione. Voilà, tout simplement. Je vous laisse revoir ce passage, essayer de bien assimiler ce calcul. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière. Éventuellement, je vous laisse une fiche technique là à télécharger également avec la carte. Alors, ne vous découragez surtout pas si au début, vous avez du mal à estimer les écarts de luminosité. Effectivement, le contraire serait vraiment d'ailleurs très étonnant. Franchement, l'estimation de la magnitude, c'est une compétence qui progresse avec la pratique, avec l'expérience. Tout simplement. Donc quand on commence, on est plutôt nul, c'est le cas de le dire.
Alors pourquoi Pléione change-t-elle de luminosité? Alors c'est sympa de constater la variabilité d'une étoile, encore faut-il savoir pourquoi elle varie. Alors si pour les astrophysiciens c'est un phénomène plutôt complexe, bourré d'équations, de notions mathématiques, etc., rien ne nous empêche de simplifier tout cela à notre niveau de compréhension par un petit modèle de vulgarisation. Alors pour cela, on va se référer à son modèle type. N'oubliez pas, son modèle type, c'est l'étoile variable de classe Gamma Cassiopée. Alors Gamma Cassiopée, c'est une étoile chaude, une étoile qui tourne sur elle-même très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est super rapide. Dans le cas de Pléione, par exemple, la période de rotation de l'étoile sur elle-même est de 12 heures. 12 heures. Alors pour info, notre bon vieux Soleil fait un tour sur lui-même en 600 heures. Hein, donc Pléione, c'est une véritable toupie par rapport au Soleil. Elle tourne si vite d'ailleurs sur elle-même qu'une partie non négligeable de sa matière est expulsée. La matière stellaire éjectée forme autour de Pléione un disque équatorial de matière, une sorte de donuts, si vous voulez, de matière. Ce sont les interactions de type gravitationnel et de type magnétique entre l'étoile qui tourne très vite avec son disque, son bourrelet de matière, qui vont provoquer de façon très irrégulière soit sa disparition, soit sa reformation. Hein, donc, voilà. Ce mécanisme va donc provoquer des changements irréguliers dans la luminosité de Pléione. Voili, voilou. Alors voilà pour ce tout premier épisode. Alors comme d'habitude, comme je dis, il n'y a plus qu'à. Hein, et je vous dis à très bientôt.